Splat et la sortie de classe. Rob Scotton, auteur et illustrateur. Éditeur Nathan, 2014. Splat se réveille très tôt ce matin. Il va au zoo avec sa classe et a très hâte de voir les manchots, son animal préféré. Mais son ami Harry la souris n'a pas le droit d'y aller, car les éléphants ont très peur des souris. Toutefois, pendant que Splat visite le zoo avec ses camarades, Harry va lui préparer des surprises. Voici une autre aventure de Splat qui paraît banale au début, mais qui en fait nous réserve bien des surprises. En outre, Rob Scotton nous montre encore une fois ses talents d'illustrateur, des couleurs, mais surtout d'irrésistibles dessins de chats, de la maîtresse aux camarades de Splat, en passant par les animaux du zoo, tellement expressifs. Les émotions et sentiments des personnages se lisent sur leur visage, c'est un enchantement. Les enfants se régalent avec tous ces chats tellement drôles et aiment beaucoup cette visite au zoo qui leur rappelle leurs propres expériences. Le suspense de la fin les enchante. Voici quelques extraits. Splat se prépare pour aller à l'école, mais soudain il se souvient de l'avertissement de Madame Newfett. « Oh non, tu ne peux pas venir au zoo, Harry, car les éléphants ont peur des souris, regrette Splat. Je suis désolée. » Mais Harry Souris veut absolument aller au zoo. Hé hé, il a une idée. Splat lève les yeux au ciel, il a aperçu quelque chose. Est-ce un oiseau ? Ou alors un avion ? Non ! C'est Harry Souris ! Harry Souris vole dans les airs, mais rate son atterrissage et s'écrase sur l'éléphant. Aïe, aïe, aïe ! Répète Splat. La classe continue la visite et elle arrive enfin devant le bassin des manchots. Hurrah ! Se réjouit Splat. Mais la joie de Splat retombe vite lorsqu'il aperçoit un panneau. En raison d'un éléphant ayant cassé le bassin des manchots, ces derniers ne sortiront pas aujourd'hui. Splat est complètement désespéré.